Je suis tech entrepreneur, j'ai un background de télécom, de génie logiciel. Je suis responsable d'entreprise, je suis consultante aussi, je suis data scientist, je forme en programmation aussi. Et voilà, je suis actuellement en train d'être filmée par une caméra autonome, bien sûr, d'un smartphone. Il s'agit du téléphone Huawei P30 que je viens de recevoir ce matin. Le colis vient d'arriver, il y a la DHL qui a livré ça. Et d'abord, je tiens vivement à remercier Huawei et aussi je tiens à remercier tout le monde et aussi ceux qui sont derrière moi en tant qu'entrepreneur. Il y a la famille entrepreneuriale aussi que je tiens à remercier, c'est pas facile. Et voilà, l'histoire de ce smartphone que je suis en train de tester, avec lequel je suis en train de prendre comme ça la vidéo, il s'agit de Huawei P30. C'est Huawei a lancé un jeu concours. Donc, le jeu concours s'intitulait Shot with Huawei. Donc, c'est un jeu concours sur Twitter que moi j'ai vu par hasard. J'ai apprécié, je ne pensais même pas gagner. Et là, j'ai partagé une photo que j'ai prise dans le temps avec des enfants. Et c'était au cours d'un camp, un camp que l'ambassade des États-Unis a organisé. Et j'étais la coordinatrice du camp en ce temps. J'étais aussi la formatrice des enfants parce qu'il est plus facile pour moi aussi. Quand je forme les enfants, ça va facilement. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais j'arrive à expliquer facilement la programmation aux enfants. Ça, je remercie l'univers pour ça. Je remercie Dieu pour ça. Et comme ça, on a eu à prendre des photos avec les enfants. Et quand j'ai vu le jeu concours avec le thème technologie, tout ça, je me suis dit, ah, cette photo est une belle illustration du concept. Et aussi, il faut que je passe un message. Le message que j'avais passé en ce temps, c'est la programmation censée responsable pour les enfants. Il faut préparer des compétences. L'Afrique doit innover, mais on ne peut pas innover sans compétences. Donc, il faut partir par la base pour former ces enfants-là. Donc, c'est avec cette image-là, j'ai gagné le concours. On m'appelle, on m'écrit par WhatsApp, on m'écrit par Twitter que j'ai gagné le concours. Et voilà, j'ai eu le smartphone. En fait, ce smartphone est un outil de travail qui est bien arrivé parce que le mois d'août, on commence la formation avec les enfants encore. On fera du Scratch, on fera du JavaScript, Python, App Inventor, leur apprendre à faire des applications mobiles avec App Inventor, un outil du MIT. Et aussi, il y a une autre session pour les adultes, les étudiants et les professionnels qui seront formés sur le community management. Donc, les jeunes seront outillés et à même de commencer déjà à travailler. Après une formation sur le community management, ils vont apprendre le concept de la communication digitale et comment créer des contenus, tests, vidéos, images. Donc, nous allons utiliser Huawei P30 pour former les jeunes apprenants du community management à faire des vidéos. Comment faire des vidéos professionnelles, comment partager, comment interviewer des gens. Ça, le P30 va jouer ce rôle. Et aussi, ils seront vraiment dans le côté pratique de la chose. La formation, l'immersion professionnelle en même temps chez nous. Et chez nous, c'est E-Technopole et aussi chez les autres partenaires. Donc, cette vacance s'annonce vraiment mouvementée, dynamique et digitale. Et voici Huawei P30 qui vient d'arriver. Et ça, c'est un outil de travail
qu'il a changé les choses. Merci à Huawei. Merci à mon personnel de E-Technopole, à tous ces jeunes-là qui travaillent avec moi. Et aussi, merci à ces personnes-là qui me soutiennent de près comme de loin. Et si je vous ai oublié, sachez que vous êtes dans mon cœur. Merci beaucoup. C'est le Togo qui gagne. Toujours.